On s'est entendu. Sur quoi? Tu ne prends pas la parole. Tu restes tranquille. Tu te tais et je gère tout. On est venu à deux, Oui, non? on est venu à deux, mais on est venu demander en même temps de l'assistance. On veut que les gens nous aident pour le spectacle. À endroit, tu vois. Alors, ah. Ça va? Ça va, boss. Ça évolue? Ça va bien. Celui-ci, c'est ton ami? Oui, lui, il s'appelle Pacheco. Je ne le connais pas. Ah. Lui, en fait, merci, boss. C'est un jeune talent. Waouh. Oui, parmi la génération qui vient là, il est très bon, talentueux, studieux. Il travaille beaucoup, il est très dynamique. N'est-ce voilà pas? Pourquoi je l'associe beaucoup à mes activités. Ça, c'est très bien. Oui, boss. Ça, c'est très bien. C'est très bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Merci, boss. Continuez comme ça. Merci beaucoup, ça, c'est bien. Merci. Alors, Je suis vraiment désolé de sauter sur vous un bon matin comme ça. Ne t'inquiète pas. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. D'accord. Votre événement, c'est pour le samedi 2 décembre à 20h au Palais des Congrès. Et les entrées sont à 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. 5 000 et 10 000. Oui. Waouh, ça c'est très bien. Parce que, de toute façon, j'entends parler de cet événement. Ça sera intéressant. Hein? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ça c'est très bien. Et comme ça, vous voulez d'aide? Voilà, boss. On veut d'aide. On veut d'aide, boss. Vous voulez que je vous aide avec combien? Non, c'est ce que vous avez, boss. Nous, on est ici pour limiter la providence divine dans notre vie. Je vais simplement vous demander de faire déborder notre vase, c'est tout. N'est-ce pas? Mmh. Ça, c'est très bien. D'accord. D'aide. Combien est-ce que je peux? Mais non, tu peux proposer. Non, boss, vous voulez nous aider, non? Oui. Allez-y. D'accord. Ce n'est pas grave. Si c'est dead. Non, il est pressé. Non, je ne suis pas pressé. Je veux placer un mot. Ah, d'accord. Il veut dire qu'il est très content, boss. N'est-ce pas? Je suis content. Je peux vous poser une question. Vas-y, allez-y. Vous avez une langue maternelle, non? Langue maternelle, bon, tu sais, je ne suis souvent pas au pays, hein. Donc je m'exprime souvent en français. Ah bon, donc, la langue que vous parlez là, ce n'est pas le français. Ah, ah non, ça c'est pas le français. Donc, Non, boss, parce que dans, votre adresse est truffée, jonchée de blessures langagières, boss. Non, boss. Dead, non, pas dead. Vous voulez de l'aide? De l'aide, boss. Dead, non. C'est bon. Donc, s'il te plaît. Et vous avez dit, vous voulez que je vous aide avec combien? Non, boss. La bonne formulation, c'est, vous voulez que je vous aide à quelle hauteur? C'est ça, boss. C'est bon. Le en boss plus, a compris. Vous dites, c'est bon, votre événement là sera intéressant. Non, c'est un boss, d'accord. Mais même au boss, ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il ne peut pas bien s'exprimer. Hein? Boss, vous avez dit, votre événement sera intéressant. Non. Pour les objectifs que nous visons, cette image que nous voulons renvoyer, les adjectifs que nous avons définis pour l'événement, c'est grandiose, grandissime, énormissime, déconcertant, subjuguant, enivrant. C'est ce que nous avons convenu comme adjectif. Ça, c'est très bien. Oui, boss. Ça dit, j'ai même du plaisir à l'écouter. C'est ça, boss. Continuez comme ça. Non. La bonne formulation, c'est plutôt poursuivre sur cette lancée, boss. C'est ça, il faut dire. Tu vois comment c'est ça. Boss. C'est son habitude. Hein. Non, mais comme tu l'as dit. Pas méchamment, hein, boss. J'ai compris. Oh. Moi, j'ai pas mal pris ça. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est ça. Oui, tu l'as déjà dit au début. Oui. Voilà, il a dit c'est monsieur gros français. C'est monsieur gros français. Ça vient tout seul, je ne force même pas. N'est-ce pas? Et Wani, il flaque. Tu t'avais dit au début que je ne le connais pas. Oui, boss. Je vois maintenant. J'ai compris maintenant pourquoi je ne le connaissais pas. Et je ne peux même pas le connaître. Bon, de toutes les façons, boss, comme c'est moi que vous connaissez. C'est ton ami, vous êtes venus ensemble. Oui. Et vous avez le spectacle aussi ensemble. Oui. N'est-ce pas? Vous allez nous acheter combien de tickets? J'avais prévu prendre 100 tickets. Pourquoi c'est j'avais, boss? Boss, quand on dit j'avais, ça c'est l'imparfait. N'est-ce pas? C'est que l'action s'est passée dans le temps et a duré. Tu vois? Voyez. Oui. Tu entends? Normalement, c'est. Je ne vais pas utiliser voilà. le j'avais, c'est le j'ai. Ok, oui. J'ai dit que je vais prendre 100 tickets. Voilà, donc. C'est ça. Mais les 100 tickets là, Chromo, c'est pas pour cette année. Hein. L'année prochaine, tu auras encore un événement, n'est-ce pas? T'es sûr. Chaque année, tu fais ton événement. Oui. L'année prochaine, je veux que ça soit un one-man show. Un one-man show.
là, je vais beaucoup t'aider. L'année prochaine, je vais même pas prendre 100 tickets. Hein. 300 tickets. Et maintenant, boss. Et maintenant, nous sommes d'eau. D'accord. Nous sommes en plat. Mais en platon, là. D'accord. Moi, j'ai d'aide pour toi. Mais ton ami, là, il a besoin de l'aide. Oui, mais moi, je veux d'aide. Hein, c'est vrai. Oui. L'année prochaine. Je veux prendre des aides. Ça ne me gêne pas. L'année prochaine. Ok. D'accord. À l'année prochaine. J'ai d'aide pour toi. Ton ami a besoin de l'aide. À bientôt, Chromo. J'aime ta vidéo, hein. Continue comme ça.